Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Alors hier vers minuit, j'ai chopé la bûche, la carte légendaire, la bûche. Voilà la bûche, donc ça fait depuis le début du jeu que je n'ai pas eu de légendaire, même dans le pack opening. Et voilà, j'ai enfin une légendaire, mais c'est de la grosse merde, voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Alors, on va tout de suite faire un gameplay, j'en ai déjà fait un. Alors j'ai fait un petit deck à 2 d'élixir. Voilà un petit deck assez rush. Avec que des petites troupes. En espérant qu'on va avancer avec ça pour débloquer le crown chest. D'ailleurs c'est dans un crown chest que j'ai eu. Le coffre à couronne. Alors c'est parti. Donc voilà la bûche, on peut viser avec comme ça, c'est assez classe. C'est quand même pas non plus de la merde quoi. On va poser les gobelins, hein, avec ça. On peut faire que ça. Alors. Après, esprit de feu. Voilà, on va commencer à contre-attaquer avec ça. Alors, j'ai bien fait de pas poser le reste. Le reste parce que j'allais me faire avoir. Alors on va tester la petite bûche, voilà. Voilà, donc c'est magnifique. On n'a pas réussi à détruire la... comment dire, la Valkyrie. Voilà, donc là on se fait bien défoncer. On va essayer de prendre... Ok, petite Valkyrie qui casse les couilles. Voilà, on arrive un peu à taper chez lui. En espérant que ça va durer. J'espère pas qu'il en sort de zap. Eh ben si. Fils de f***. Alors il s'est bien joué. Hein. Parce que la mousquetaire là, elle est pas placée comme ça pour rien. Hein. Bon bah les gars c'est perdu hein. Voilà donc on va refaire une petite partie parce que là c'est vraiment désastreux hein. Voilà donc je suis toujours à Rennes 6 hein, les gars. Le géant royal ne marche plus trop en arène 7. Voilà. On va retenter une petite partie, on va bien se concentrer. Il joue Molosse de lave. La carte qu'on adore. Moi je mets ma mousquetaire en plein dans le poison. Allez, nickel. S'il a des barbares, c'est foutu.
Mais ça a l'air de bien se passer. Alors, on tente le petit 3 étoiles ou pas? Un petit géant royal. Ouais, non. Il nous faut encore un géant royal. Ça peut pas continuer comme ça. En plus, on a un zappé, une boule de feu. Donc voilà, le temps que son molosse arrive, je pense qu'on a le temps d'aller défoncer ces trucs. On va quand même mettre une tour de l'enfer ici. Voilà. Ah ouais, il a un sort de rage, là, va falloir défendre, je crois. La mousquetaire qui fait un taf monstrueux. Voilà, le... Ah non. Je croyais que le géant royal allait tout terminer lui-même. Mais voilà, donc assez facile le deck géant royal pour la reine 7. Des fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas du tout. Bon là, pendant quelques parties j'ai perdu, mais c'est la bûche, hein. On n'y peut rien. Le petit crunchy, ce qui fait plaisir. Alors, 413, 3 gemmes. Les esprits de feu, faut que je les améliore. 27 Tesla, balai. 5 cabanes de barbare. Et le miroir qu'on peut passer. Level 3, comme ça. Voilà, puis quoi la demi. Les archis 4000, le chevalier. C'est 2000. On va améliorer le chevalier. Voilà. Donc faudrait que je place la bûche là-dedans. Je sais pas. Non, je vais laisser ça comme ça. Voilà les amis, donc sur ce, moi je vous dis salut à tous, on se quitte sur cette bûche. Voilà, donc à plus tout le monde.